Il était une fois, au milieu de la forêt de Gelyenak, un royaume où tout le monde vivait en paix. Chaque habitant de la forêt possédait un livre. Chaque livre était un reflet de leur âme et devait toujours rester ouvert. Si le livre se refermait, l'âme mourait et disparaissait de Gelyenak à tout jamais. Personne ne savait ce qu'il advenait par la suite. Telle était la légende. Le roi, juste parmi les justes, préservait le royaume de l'invasion incessante des loups venus de l'autre côté. Près de la reine Mila et de leur fille Alice, le roi maintenait l'équilibre au sein du royaume. Hélas, l'équilibre se brisa le jour où la reine Mila mourut. Accablé de chagrin, le roi ne put continuer à protéger son peuple. Après avoir confié sa fille Alice aux habitants d'un petit village, il décida de quitter Gelyenak. Les loups se multiplièrent, dévastèrent la forêt, assombrissant le royaume. Pourtant, le roi ne revint pas. Gelyenak sombrait dans le chaos. Alice est rentrée. Oui, mais le garçon est toujours dehors. Viens par ici, toi. Dis donc, qu'est-ce que tu faisais dans la forêt tout à l'heure? Je faisais l'éclaireur. T'es éclaireur, toi? Depuis quand t'as le droit de sortir en douce comme ça? Non, mais c'est parce que... Oui, madame est la fille du roi, donc elle se croit tout permis. De toute façon, les loups, ils me font même pas peur. Ah oui, ils te font même pas peur. Viens par ici. Allez, Ulysse. Va la voir, ta Pénélope chérie. J'ai entendu dire que les anciens allaient t'envoyer à la frontière de Gelyenak. Je me suis porté volontaire. Il paraît que cette terre est maudite et que les loups viennent de là-bas. Personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que le roi y est allé. Il faut le retrouver. C'est notre seul espoir. Alors je viens avec toi. Je veux pas que tu ailles seul. Faites bien attention à vous. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Prenez l'épée du juste. Restez près d'elle, les loups la craignent. Comment ferez-vous sans ses pouvoirs pour protéger le village? Plus personne ne peut survivre dehors sans l'épée. Nous, nous tiendrons jusqu'à votre retour. L'épée vous guidera près du roi. Mais soyez constamment sur vos gardes. Les loups chercheront des moyens pour contourner son pouvoir. Ne vous éloignez jamais du sentier.
Mais bon sang, Alice, on ne peut pas te faire confiance. Qu'est-ce qui t'a pris de quitter le village? C'est complètement irresponsable. Je voulais revoir mon père. T'aurais dû nous rejoindre plus tôt. J'avais peur que vous me condiez. T'avais surtout peur qu'on te ramène au village. Ce serait ça, s'il vous plaît. Ouais. Alice est fatiguée. On pourrait s'arrêter ici. La frontière n'est plus très loin. Je sais que l'épée nous protège, mais dormir dans cette forêt me rend nerveuse. Je serai pas rassurée tant que le roi sera pas avec nous.
tu ne pourras pas toujours rester caché derrière les baies. Ton père aussi a fini par céder. Aujourd'hui, il est dans mon pouvoir. Ton monde est perdu, Alice. Ton monde est perdu. Alice, finalement, je vais pas pouvoir t'emmener à l'école. J'ai une réunion. Tu vas prendre le bus, hein?
papa. Bonne nuit. Ne me déçois pas. Ramasse tout ce qu'il y a à ramasser et je serai toute celle que tu voudras. Non. Surtout, tu fais rien avant que j'arrive. Ce contrat, c'est le mien. Écoute, ressors le dossier. Ouais, c'est ça, avec le bilan financier. Ok, tu l'as ? Regarde au niveau du tableau des entrées. Bah, dis-moi ce que tu vois. Étendre ces champs d'action exige un maximum d'endurance. Si nous voulons rester incontestés sur le marché, nous allons devoir réaliser des campagnes mieux ajustées avec des méthodes beaucoup plus agressives. Accroître et développer les besoins en consommation, orienter la curiosité, susciter la convoitise, voilà les fondamentaux pour lesquels nous sommes craints, respectés, courtisé. Pour notre prochaine campagne, je veux que vous articuliez une stratégie de grande ampleur afin de nettoyer nos derniers concurrents. J'exige quelques faillites rapides, retentissantes, contre l'assurance de promouvoir le meilleur d'entre vous à un poste de collaborateur. Suis-je bien clair ? Vous possédez toutes les données. J'attends vos analyses et vos suggestions. Vos parcours professionnels sont éloquents, certes, mais plus que jamais, vous allez devoir les justifier. Messieurs, madame, c'est à vous de jouer. La chasse est ouverte. Bonne nuit, papa. Tiens, j'ai croisé Pénélope en ville aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a grossi ? C'est sûr qu'elle peut plus se permettre le genre de petite tenue que je me suis achetée aujourd'hui. J'ai été nommé associé. Les deux groupes fusionnent. J'ai obtenu le poste convoité par les plus vieux loups de la boîte. Raconte. Désormais, je suis expert en démolition. Casser, bâtir, recasser, pour booster les capitaux, satisfaire les actionnaires, pour faire du chiffre. T'es contente ? C'est ce que tu attendais de moi ?
Et bien sûr, il faut cesser les activités dans l'Ouest. Et cautionner 200 licenciements. Je suis fière de toi. Tu es fière de moi? T'as entendu ce que je viens de dire? 200 licenciements. Quel genre de type pourrait accepter un tel poste? Le genre de type qui n'a aucun scrupule à quitter sa copine enceinte pour aller voir ailleurs. Pauvre Pénélope. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a un garçon. Hé, hey, papa, regarde mon dessin. Mais bon Dieu, Alice, tu peux pas faire attention! Tu vois pas que je travaille? C'est fichu. Ça fait plus d'un mois que je travaille sur ces contrats, je les accumule, là! J'ai pas que ça à faire, moi. Pénélope? C'est moi. Je suis conscient que t'as pas vraiment envie de m'entendre. Enfin, je viens d'apprendre que tu étais... Enfin, tu vois. Bon, j'espère que tu vas bien. Maman me manque. Il était une fois, au milieu de la forêt de Guélénac. Il était une fois... Comment c'était déjà? Je ne me rappelle plus. Tu pourras me la raconter ce soir? Peut-être. Allez, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Pénélope, c'est encore moi. Je sais que je ne le mérite pas. Mais si tu le souhaites, appelle-moi. Fais-moi signe. Vous vous moquez de moi ? Les licenciements en région Ouest me préoccupent. Monsieur, vu les marges bénéficiaires du groupe, j'aimerais pouvoir proposer des requalifications. C'est avec ces marges que l'on vous paie, non ? Ce sont précisément ces marges qui ont permis de créer le poste que vous avez accepté sans problème de conscience hier. Je n'avais pas réalisé. Nous parlons de 200 licenciements. C'est tout un pôle d'études qui garantit notre impact régional. Impact épuisé. Je vous parle de conséquences humaines. Ce pôle d'études affiche d'excellents résultats. Pas de morale, épargnez-moi ce chapitre. Si vous voulez travailler dans l'humanitaire, vous êtes trompé de boîte, jeune homme. Allez, foutez-moi le camp avant que je transforme ces 200 licenciements en 201 licenciements. Une entreprise ne peut fonctionner avec des utopistes. On n'accumule pas les contrats avec des rêves. Il était une fois, au milieu de la forêt de Guélénac, un royaume où tout le monde vivait en paix. Chaque habitant de la forêt possédait un livre. Chaque livre était un reflet de leur âme et devait toujours rester ouvert. Si le livre se refermait, l'âme mourait et disparaissait de Guélénac à tout jamais.
personne ne savait ce qu'il advenait par la suite. Telle était la légende. Oui, madame, la fille de roi, donc elle se croit tout permis. De toute façon, Lilou, il ne faut même pas peur. J'ai entendu dire que les anciens avaient envoyé à la frontière de Guélénac. Le roi est allé. Il faut le retrouver. C'est notre seul espoir. Prenez l'épée du juste. Restez près d'elle et nous la craignons. On a perdu trop de temps. Il faut se dépêcher d'atteindre la frontière. Et de ramener mon père. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais il vous reste une dernière chose à accomplir. Entrez dans cette grotte. Allez-y, entrez. Et vous, qu'allez-vous faire ? Circé est revenue. Elle vous attend en bas. Arthur, tu es bien présomptueux de te présenter face à nous. Malgré l'épée, tu restes bien fragile, seul.
On en ouvre d'autres. Une fois,